Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je te bénis, mon frère, ma sœur, toi qui me suives maintenant, partout où tu te trouves dans le monde. Je bénis Dieu surtout comme dans ces derniers temps, nous utilisons souvent ce système d'Internet. C'est un moyen que Dieu nous a donné. C'est un moyen qui nous aide, si je peux dire, à être en contact. Et nous nous connaissons beaucoup que par Internet. Donc, beaucoup d'entre nous, on ne s'est pas encore vu. On ne s'est jamais vu, si je peux dire. Parce que vous habitez peut-être dans un coin dans le monde où je n'arriverai peut-être pas dans ma vie. Mais nous savons que par l'Internet, nous restons en contact. Nous sommes en contact. Et nous faisons des partages bibliques de temps en temps sur des sites internet, des réseaux sociaux, et le plus souvent sur ce qu'on appelle Facebook et d'autres. Donc nous sommes aujourd'hui le mardi 10 janvier 2012. Donc je viens vous dire que nous avons commencé un programme de prière et jeûne depuis hier. Donc nous avons débuté depuis le lundi 9 janvier 2012. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 janvier 2012. Et ce programme de jeûne et prière, on va aller avec ça pendant un mois, jusqu'au 10 février 2012. Et je vous conseille, mon frère et ma sœur, toi qui me suives maintenant, donc d'entrer avec nous dans ce programme de jeûne et prière qui va ouvrir beaucoup de choses. Qui va permettre que beaucoup de choses dans votre vie soient vraiment à la gloire de Dieu. Qui va permettre que beaucoup de choses puissent être ouvertes. Qui va permettre que beaucoup de portes qui ont été fermées par l'ennemi puissent être réouvert. Donc, Dieu va ouvrir toutes les portes qui ont été fermées. Et toutes les distractions qui avaient pris place dans votre vie vont se dégager si vous êtes réellement chrétien. Donc, car nous voulons commencer cette année 2012 avec une puissance de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu doit triompher dans nos vies. C'est pour cela que mon frère, l'apôtre Paul, demandait toujours, il avait dit aux Colossiens, que la parole de Dieu doit habiter abondamment en nous. Car quand la parole habite en nous, c'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes réellement un avec lui. Et nous reconnaissons que nous sommes un avec lui, quand nous demeurons aussi dans sa présence, par son esprit. Car c'est bien de connaître sa parole, de bien d'enraciner sa parole en nous. Mais l'esprit aussi doit marcher en accord avec cette parole. Car notre Dieu est esprit et vie. La parole, c'est l'esprit et vie. Donc c'est pour cela, pendant ces temps qu'on va passer ensemble, des 30 jours de jeûne et prière, je vous demande d'essayer surtout, de chercher surtout à entrer en contact avec moi chaque soir. Je sais bien que c'est pas bien d'entrer, d'utiliser tous ces réseaux sociaux quand vous êtes dans les jeûnes et prières. Mais moi, je vous conseille d'être en communion avec moi ou en contact avec moi chaque soir vers 23h, l'heure de Bruxelles, l'heure de Paris. Donc, si vous êtes dans vos villes ou dans votre ville là où vous habitez, je sais pas, en Afrique, à l'Asie, Amérique, partout où vous habitez dans le monde,
car je sais que je suis en contact avec beaucoup de frères et sœurs à Madagascar, dans beaucoup de l'île aussi, un peu partout dans le monde. Donc vous calculez juste les heures de chez vous. Quand nous ici à Bruxelles, nous sommes 23 heures chez vous, ça va être quelle heure, je ne sais pas. Et pendant ces heures-là, vous rentrez en contact avec moi. Et c'est là que je vais commencer à vous communiquer des versets à laquelle vous devez soit commencer à méditer, de la journée, et vous donner aussi l'évolution de ces programmes. Donc, la prière que nous avons à faire, c'est tous les jours, chaque soir et de la journée aussi. Bon, pour ce qui concerne ces programmes de jeûne, donc pour ne pas que vous soyez fatigué, soit vous travaillez aussi, je ne vais pas vous dire d'aller faire le sec, de ne pas manger, pas boire. Je sais que c'est un peu difficile pour beaucoup, car beaucoup d'entre nous travaillent. C'est pour ça que je conseille, ou je vous conseille, d'utiliser le système liquide. Donc, buvez pendant toute la journée et prenez des temps de prière pendant toute la journée. Et pendant la nuit, avant que vous montez au lit ou avant que vous puissiez dormir, vous pouvez prendre juste un peu de petite quelque chose à manger, genre salade, fruits ou petite nourriture légère. Léger. Parce que je sais que beaucoup d'entre nous aussi prennent des médicaments. Donc, juste déconnecter un peu de la télévision, du système de beaucoup de choses qui vous prennent toute la journée et rester dans la prière. Je vais essayer de partager quelques versets pour aujourd'hui. Je vais commencer par Romains, chapitre 12, verset 5. La Bible nous dit dans Romains, chapitre 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous devons savoir que non, peu importe l'endroit où tu te trouves dans ce monde, une fois que tu es chrétien, une fois que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur de ta vie, tu dois savoir que nous sommes devenus ce qu'on appelle l'Église. Donc tu fais partie du corps de Christ. C'est pour ça que la Bible nous dit que non. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est pour cela que nous devons être toujours en communion les uns des autres. Donc je veux maintenant que cette année 2012, nous puissions le commencer en puissance, en force. Que la parole de Dieu puisse prendre contrôle de notre vie. Afin que non, quand on va rentrer dans le mois de février, mars, tout ça, vous puissiez commencer à voir que non, la gloire de Dieu fonctionne en accord avec tout ce que vous allez commencer à entreprendre dans ce monde. Et je vais encore lire un autre verset rapidement. Et après on va s'arrêter là. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 14. Dans 2 Corinthiens chapitre 14. Non, sœur, plutôt. 2 Corinthiens chapitre 2. C'est 2 Corinthiens, ça se limite seulement au chapitre 13, je veux dire. Donc, nous allons voir 2 Corinthiens chapitre 2. Et c'est le verset 14, plutôt. La Bible nous dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Nous devons savoir que nos vies sont cachées en Christ Jésus. Nous sommes un en Christ. Et c'est à cela que je vais commencer à vous communiquer durant tous ces mois. Durant tous ces mois qu'on va passer dans les jeûnes et prières. Que nous puissions comprendre notre position en Christ et que nous puissions commencer à marcher en accord avec la parole de Dieu et à se positionner comme Dieu veut que nous puissions nous positionner.
Donc vraiment, tenez bon, car l'année 2012, la parole de Dieu va triompher dans ta vie. La parole de Dieu va contrôler ta vie. Et tu dois devenir un avec la parole de Dieu cette année 2012. Que Dieu nous bénisse. Que l'Esprit de Dieu marche avec toi. Que l'Esprit de Dieu te dirige, que l'Esprit de Dieu te contrôle. Que l'Esprit de Dieu puisse prendre contrôle de ta vie. Je dis bien, nous sommes bien le mardi. Nous sommes bien le mardi 10 janvier 2012. Et on vient de commencer depuis hier. Nous allons partir pendant un mois. Avec tous les frères, de près ou de loin, qui prient ensemble avec moi, qui croient au message de la victoire, qui croient au message de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour sa vie, pour ta vie, mon frère, ma sœur. C'est le temps de triompher. Et nous allons triompher cette année 2012 avec Jésus-Christ, avec sa parole puissante. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Église dit Amen.